Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 112 de Stage 1, et nous allons jouer aujourd'hui à Rebel. Rebel qui est un petit jeu très sympathique qu'on va voir ensemble. Donc c'est parti, les studios Pixar, comme vous voyez. Alors Pixar, pouf. Animation Studios. Alors Disney, donc oui, c'est un jeu Disney avant tout, hein. De toute façon, la série en elle-même, Rebel, de dessin animé, que vous avez déjà dû voir, peut-être, je sais plus s'il est sorti au cinéma avant. J'avais vu à peu près. Rebel, donc appuyez sur Entrée pour commencer. Donc on appuie sur Entrée, donc vous voyez qu'il est en 2012. Hop là, donc ça charge. Alors on va faire une nouvelle partie. On va se mettre en mode facile. Rebel, facile, moyen, difficile, Rebel. On va prendre la cote de maille. C'est le même personnage, c'est juste en fait l'habit qui change. Donc voilà, ça charge. Donc voilà. Où est-elle passée? Petite musique entraînante, et c'est à nous de jouer. Donc on voit que c'est un jeu vu, on va dire, sur le côté. On contrôle notre petit personnage. Enfin, c'est notre petite personne. Notre personnage, comment on pourrait dire? Oui, c'est une fille. Donc voilà, alors on a les touches, donc ZQSD pour bouger, espace pour sauter. Donc là, on est en train de courir après un ours. Je sais pas pourquoi elle l'appelle maman. Est-ce que c'est maman qui abat tous ces arbres? Maman qui abat tous ces arbres. Ouais, elle l'appelle maman. Ok, peut-être qu'on va peut-être comprendre pourquoi. Je sais pas plus tard. Maman, hop là, donc là on essaye de surtout de rattraper l'ours. Et c'est pas gagné parce qu'il court vite, hein. Ce petit ours. Donc il vient de traverser un pont. Maman. Et nous, on passe à travers. Ok, c'est super. On est passé à travers un pont. Que c'est assez surprenant de voir une princesse courir après un ours dans la forêt. Mais ce n'est pas grave, on m'a rarement reproché d'agir en princesse. Je m'appelle Mérida, la fille de mon père. C'est lui, Fergus, le roi ours de Dunbrock. Il m'a appris à monter à cheval, à manier l'épée et à tirer à l'arc. Mais régner sur la cour, c'est la spécialité de ma mère, la reine Elinor, la diplomate. Elle essaie toujours de faire de moi une princesse, comme il se doit. Elle ne me comprend pas. Et elle n'essaie même pas. Je souhaiterais qu'elle soit différente. Donc voilà, on a le droit à la petite histoire de temps en temps. Donc on est tombé, je sais pas où on est. Voici une belle arme. Je viens de trouver une arme dans un coffre, donc on va pouvoir se battre avec cette arme, je pense. Donc avec quoi j'utilise mon arme? Hop là, avec le clic, c'est ce que j'avais pensé, et c'est bien ça. Hop, hop, hop. On peut taper un peu tout ce qu'il y a. Là, l'herbe aussi, on peut la taper. Alors. Déjà, il y a des pièces dedans aussi. Alors ça, je sais pas à quoi ça va nous servir. Regardez, on peut découper les herbes. Hop. Je sais pas si ça sert à quelque chose de récupérer un maximum de pièces. Dans les poteries, il y a pas mal de pièces aussi. Hop. Hop, donc là, je suis bien avec le clic droit. Hop. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut faire à part casser des trucs Je sais pas, pour l'instant je récupère un maximum de pièces. La musique est entraînante, hein. La musique du jeu a marché sur les symboles. Hop. Hop. Ah bah un coffre au milieu. On ouvre le coffre. Et on trouve un arc. Donc on a nos deux armes maintenant. Alors on a un arc et un machin. Donc on va tirer là-haut avec l'arc. Hop. Hop. Donc voilà, donc c'est clic gauche pour l'arc et clic droit pour l'épée.
Tac, 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 tac. On continue. On peut tirer un peu sur tout, en fait. Hein. Sur les plantes ou sur les... Hop, sur les... comment ça s'appelle? Les tonneaux, les poteries. Hop là, donc là, il y a des cibles qui nous permettent... vont nous permettre de baisser le pont, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Monte sur la plaque. Pour l'instant, je casse des tonneaux. Hop, on monte dessus. Des cibles qui apparaissent. Hop, hop. Pour l'instant, ça va plutôt vite. Alors, qu'est-ce que... Ouais, la caméra se tourne. Ah bah d'accord, il y a Maman Ours là-haut. Salut Maman Ours. Ouais. Elle a pas l'air d'avoir envie de revenir. Il y a l'arbre qui vient de tomber. Donc appuyez deux fois sur espace pour faire un double saut. Oh, il y a touche verte là, c'est espace. Hein. Faut le savoir. On va se la jouer en mode Prince of Persia, faire des sauts sur des sauts. Fait comme ça. Ah merde. On fait comme ça. J'y arrive pas. Il y a un petit bug graphique. J'arrivais pas à sauter là où j'étais. Hop, voilà. Encore des tonneaux là. Ah regardez, j'arrive pas à sauter, c'est bizarre. Quand je suis trop près du mur, j'arrive pas à sauter. Et hop. Ah non, je suis retombé. Voilà, ça c'est fait. Je ne peux pas la suivre sans arrêt. Oh, tout est la faute de la sorcière. Les feux follets, ils me mèneront jusqu'à la sorcière. Et je lui demanderai de retransformer ma mère. Maman voulait décider de mon destin. Elle se moquait complètement de ce que je voulais. Alors je me suis enfuie. Et je me suis retrouvée à la maison de la sorcière. Ce lieu était-il réel? Ou était-il là parce que je le voulais? J'ai sommé la sorcière de m'accorder un sort, en précisant que j'étais la future reine de Dunbrock. Quelle idiote j'ai été. Donc on continue de suivre à peu près, de découvrir, j'ai envie de dire, à peu près l'histoire au fur et à mesure. Alors c'est quoi tout ça? Suis les machins. Ces pierres sont incroyables. Je me demande si papa les a vues. Je sais pas si on peut tirer dessus, hein, c'est bizarre. C'est pas très beau tout ça. Alors on les suit. Alors où c'est qu'elle nous mène? Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Faut rentrer. Et vous? C'est vous qui avez changé ma mère en ours. Tout est votre faute. Ma faute? Oh, mais comment aurais-je pu dire non à la future reine de Dunbrock? C'est vrai. Mais vous m'avez piégée. Tant de colère et de méfiance. Voilà pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est à cause de vous. Non, mon enfant. Cette magie est plus ancienne que le sort qui a changé votre mère. Il y a longtemps, un ours terrible, né de l'entêtement et de la méfiance, s'est mis à hanter ces forêts. Mordu? Oui. Mais la bête a survécu. C'est la colère et l'égoïsme qui maintiennent Mordu en vie. Il erre toujours dans la forêt, où sa magie noire corrompt le pouvoir des vieilles pierres. Cette corruption s'est échappée des pierres pour envahir la forêt et ramener à la vie toutes sortes de créatures terribles de jadis, comme les harpies, les mandragores et les esprits loups. Elle a aussi corrompu ma magie, rendant ses résultats imprévisibles. C'est cette magie qui a touché votre mère. Le pouvoir de Mordu vient des pierres magiques qui la corrompent. Vous devez vaincre les créatures pour purifier les pierres et chasser le fléau. Moi? Pourquoi ce serait mon rôle? Parce que, petite sotte, vous êtes le meilleur archer de ce royaume. N'est-ce pas? Mais puis-je vous faire confiance? Sans confiance, votre mère restera ainsi à jamais. Vous voulez qu'elle finisse comme Mordu? Bien sûr que non!
Il semblerait que je n'ai pas le choix. Ah, j'oubliais! Prenez ce sort. Vous en aurez besoin pour purifier la première pierre magique. Allez-y! Faites vite! Pendant que nous bavardions, le fléau s'est déjà répandu jusqu'ici, jusqu'à ma demeure! Sera utile contre les monstres. Donc voilà, j'ai trouvé l'amulette de terre. Alors, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais. Oula, c'est quoi ça? C'est un monstre. D'accord, c'est des monstres un peu d'esprit, c'est bizarre. Hop, hop. Ils sont pas difficiles à tuer, en un coup ils meurent. Hop là. Par contre, oh putain, ils font des sacrés bons. Ils sautent sacrément bien, les enfoirés. Hop, hop, hop. Et ils courent aussi. Récupère les pièces en même temps, même si j'aurais peut-être évité de récupérer trop de trucs. Parce que les pièces disparaissent à force. Si je peux rendre à cette clairière son aspect d'origine, je devrais pouvoir faire pareil avec le reste du royaume, et avec maman. La vieille sorcière disait peut-être vrai. Ce qui veut dire que Mordu était ici. Donc voilà, alors ce qu'on va faire... Oula! D'accord, le portail s'ouvre, donc on va aller, ça doit être une histoire de monde. Donc on va y aller dedans. Voilà, donc c'est une histoire de niveau. À chaque fois, on va avoir un nouveau niveau qui va se débloquer. Il faut nettoyer en fait les endroits. Enfin, nettoyer des monstres pas gentils, allez. Je ne sais pas quoi. Ah, d'accord. Voilà, on est rentré dedans. Et bien sûr, le mode d'amulette spécifique. Voilà, on est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette forêt? On peut toujours casser des trucs. Bon, des troncs d'arbres. Les plantes toujours aussi. J'ai pas envie. Je vais quand même peut-être pas passer le temps du jeu à tailler de l'herbe. Je suis pas une tondeuse. Hein. Une tondeuse humaine. Puis hop. En jetant les sorts. Vous avez vu, en tirant à la flèche dessus, ça a jeté un sort. Puisqu'on a l'amulette de terre en fait. Donc du coup ça nous permet de déclencher des trucs. Hop, hop. Donc là il y a un coffre au-dessus. On va aller voir ce que c'est. Hop, hop. Morceau de tapisserie. Santé a été augmentée. Ma santé a été augmentée. Bon, c'est déjà pas mal. Intéressant. Donc oui, que ma santé, on n'y fait pas tellement attention vu que j'ai pas eu tellement de temps de perdre de la vie encore, mais ma santé, elle se voyait. Encore des chiens. Ma santé se voyait en haut à gauche à l'appareil. Quand j'en perds ou quand j'en gagne. Follet te donne une chance. Un éclair indiquera que tu réalises un coup critique. Donc j'ai des sortes de petits feux follets autour de moi, c'est ce qu'ils viennent de me dire. Ça veut dire que j'ai touché plein des monstres sans être touché. Et donc ça augmente mes chances de coup critique. Coup critique qui se symboliseront par un éclair autour de l'ennemi lors de mon attaque. Ah, j'essaie de vous expliquer en même temps. Donc là, oula, il y a un rocher tout pas beau. Hop là, on va essayer de tuer les ennemis. Donc le but, c'est de désinfecter la zone des ennemis pour que les rochers redeviennent normaux. Donc là, il y en apparaît un peu partout, même là où je suis. Quoi. Ah, vous avez vu, coup critique encore. Parce que là, j'en ai quand même 5 qui me tournent autour, des feux follets. C'est plutôt un bon score. Donc voilà, on a nettoyé ce rocher. Magnifique. La grille s'ouvre. Et donc du coup, on va y aller. Hop, les pièces réapparaissent. Dans la cinématique, les pièces disparaissent, après ça réapparaît. Ok. Hop, hop. Hop, hop. Comme ça, ça devrait être bon. Et il n'y a rien là-bas, donc on va continuer à droite. Et la grille qui se ferme sous notre nez.
Les garçons? Oh non! Petit monstre! Voici mes frères, Amish, Hubert et Harris. Il faut toujours qu'ils mettent la main sur tout ce qu'il y a dans le royaume. Y compris un gâteau maudit. Enfin, ce sort semble mieux vous aller qu'à notre pauvre maman. Vous pouvez peut-être m'aider? Donc voilà, nous voilà dans la peau des petits oursons. J'ai triplé pour résoudre le puzzle et... merde, je sais pas comment il s'appelle. J'ai pas eu le temps de dire le nom. Maintenant, faut savoir faire un aperçu du puzzle. Donc là, le but, ça va être d'activer la manette à gauche, là-bas. On a les trois petits oursons positionnés là. On peut changer d'ourson avec la molette de la souris. Alors, voilà. Donc on va prendre ce petit ourson là-bas. Hop, regardez, en appuyant sur les boutons, ça fait sortir les plateformes. Donc c'est un petit casse-tête, mais c'est pas tellement compliqué. On passe sur celui-là, on prend lui. On prend l'autre ourson là-bas, on l'amène sur celui du milieu. On prend l'autre, on le fait progresser. Ah merde, on le fait progresser jusqu'au milieu. Tac, on va essayer de pas tomber. C'est un peu dur à contrôler d'ici. Hop là, et l'autre on l'emmène là-bas pour qu'il active le troisième. Et allez, hop. Voilà, donc là, on interagit avec la manette. Qui va nous ouvrir normalement la grille? Bravo les garçons, ne vous éloignez pas. Et faites attention à vous. Donc voilà, on a réussi, la porte s'ouvre, on peut continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est les machins qui donnent beaucoup de pièces, ils disent. Ah bah effectivement, m'a donné 50. Effectivement, ça donne beaucoup de pièces. Ouais, je m'éclate à tuer des plantes. Je suis pas très écolo, je coupe tout ce que je croise en... Toutes les plantes que je croise. Voilà, on tire dessus, hop. Hop, on a le petit symbole alors. C'est pas compliqué. Apparemment, on pourrait en avoir 4 des amulettes. Il y a 4 emplacements apparemment. Hop. Donc là, c'est de la plateforme, hein, surtout. Voilà. On progresse en avançant de plateforme en plateforme. Ouh, il y a du violet là-bas. Ça sent le monstre. J'ai souhaité que ma mère soit différente pour pouvoir changer mon destin. C'était juste un petit souhait. Mais j'ai vite compris que... les petits souhaits n'existaient pas. Allez, on continue. Alors, donc apparemment, c'était notre mère, c'est pour ça qu'on l'appelait maman. Alors là-bas, c'est tout violet, donc ça sent le monstre. Ah bah voilà, il y a du monstre, comme on disait. Ouh, du gros monstre. J'ai toujours mes feux follets autour de moi, donc les coups critiques, ils tombent à foison. Tant mieux. Hop là, il n'y a plus de violet, il y a encore des petites pierres, on va faire comme tout à l'heure, on va tourner autour. Hop. Hop. Hop, dans un certain ordre. Ouais, bah apparemment non, puisque ça marche très bien. Voilà, on continue, qu'est-ce qu'on a là-bas? La clé qui va nous permettre d'ouvrir le portail que l'on voit ici. Hop, activer la clé. Ok, donc on peut passer... On continue. C'est bien, ça charge pas toutes les 3 secondes, c'est vrai que c'est assez bien. C'est léger et tout, c'est bien comme univers, c'est pas mal. Hop là, on va encore en gagner 50. Voilà. Donc faut penser à pas les rater ces petits trucs parce que ça rapporte quand même. C'est quoi ce machin là-bas? Putain, il nous balance des trucs. Il a pas l'air d'avoir envie de crever. Ah oh, putain, si, c'est bon. Alors, quand il crève, lui il explose, il nous balance des pics. C'est déjà un peu plus inquiétant que les loups de tout à l'heure. Les loups, que bon, ils nous lancent pas tellement dans grand chose, ils nous courent juste après. Où c'est qu'on est là? Ça s'est refermé derrière moi. Ouais. Donc je peux pas repartir par là-bas. Maman? Oh non! Ta patte! Laisse-moi t'aider, je t'en prie. Je peux préparer un baume, comme papa me l'a appris. Ne t'inquiète pas, maman.
Je trouverai dans ces grottes les racines de mille feuilles dont j'ai besoin. Attends un peu. Allez, donc on va aller chercher des racines. Choup, avec le portail qui s'ouvre. Elle est bien gentille, la petite mémé, là, la sorcière, là, elle nous ouvre les trucs. Comment je monte là-haut? Hop là. Allez, on passe dedans, on entre. Chercher les objets cachés dans le monde, ils cachent des récompenses, oui, ça j'avais remarqué. Il me donne des conseils un peu après, quand même. Même si les conseils de chargement, ça vaut pas, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Hop, ça c'est quoi, ça? Ouh! Et tirer dessus, ça a explosé. Vaut mieux pas trop être à côté, je pense. Il vaut mieux pas y aller avec l'épée. Alors, regardez. Hop! Ouais, vaut mieux pas y aller avec l'épée. Heureusement que je tire dessus de loin. Hop! Une sorte de poison bizarre. Je me demande où c'est qu'elle va aller chercher ses racines. On a une sorte de marée là. Hop, il y a des monstres. Ah, non. Ah, il y en a un qui est apparu sur moi. Ah, j'ai perdu mes feux follets. Il y en a un qui m'a touché. Hop. Ah. Je suis tombé dans l'eau. Bah, j'ai perdu mon dernier feu follet. Et ma vie est un peu descendue. Hop. Hop. Et hop, alors là il y a deux trucs à tirer, machin de terre là. C'est pas tellement dur, ils en mettent un peu de partout, mais c'est pas tellement dur à passer. Allez, hop, ça sentait bien la plateforme où il y a des chiens qui allaient apparaître. Hop, les potions vertes te redonnent de la santé. Eh bien, c'est bien. Alors, utiliser la tyrolienne. Hop. Hop. Bon, ça, j'ai pas croisé de poissons verts, donc de toute façon... Si, j'en ai croisé tout à l'heure, mais elles sont loin maintenant. Allez, on monte. On tire là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un coffre. Un coffre dans lequel on va trouver... un morceau de tapisserie de l'attaque et la puissance a augmenté. On trouve des petits items un peu de temps en temps, c'est pratique. Utiliser tyrolienne. Oula, donc là ça sent l'ennemi encore. Faut aller chercher les petites baies là qui sont derrière. Mais là on a des ennemis à la foison qui nous volent pas tellement du bien. Oh mais ils arrivent de loin donc c'est bon. On est assez à l'aise pour les... Hop, j'ai récupéré la potion verte. Bon, au moins j'ai rempli ma vie et voilà les baies que je vais récupérer. Et voilà, on a les baies. Alors on va passer le portail qui est là encore. Elle est très gentille cette sorcière. Elle nous fait des portails là où il faut. Voilà, ça devrait soigner ta blessure. Ils sont beaucoup trop nombreux. Voici les chiens de partout, et ça y est, maintenant nous contrôlons l'ours. L'ours qui a une attaque avec la patte. Alors, je sais pas ce que c'est, les trucs blancs qui nous attaquent, on dirait des petits squelettes, là. Alors, l'ours qui est quand même assez fort. Hop, ah bon, on va essayer de pas se faire toucher. Bon, il a une unique attaque, hein. Ça va pas tellement loin, hein. Pas de gauche, pas de droite. Ah, frapper, marteler, charger... Ouais, bah pour moi, il n'y a qu'une attaque pour l'instant. c'est un peu la même chose pour toutes les attaques, en fait. Je récupère des pièces, j'en profite. Hop. Ça y est, il n'y en a plus. Maman, attends! Reviens! Oh, son regard. Il n'a rien d'humain. Je ne viens pas à bout du fléau de Mordu. Retrouverai-je un jour ma mère? Mais oui, tu vas la retrouver ta maman, sinon ils auraient pas fait le jeu. Donc là, hop, on récupère, on en profite, les pièces. Hop, les 50 pièces. Et on peut continuer là-bas. Hop, 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 hop. Si je marche là-dessus, hop, ça apparaît là-haut. Ça apparaît ici,
Et là, oh merde, pas assez vite. Hop. Et la cible, et voilà. On l'a passé et on va pouvoir continuer. Mais on va s'arrêter là. Pfiou, on arrive dans un château en plus. Donc voilà, ce sera tout pour le jeu PC Rebelle. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.